Et bonjour à toutes et à tous, c'est le Bouli 85, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais créer comme une chaîne de plusieurs vidéos en fait. Je vais présenter une équipe d'un club en saison 2018-2019. Dites-moi en commentaire quel club voulez-vous. Là je vais faire l'Olympique Lyonnais. Je vais faire les départs, ensuite les arrivées. Et ensuite, je vais montrer l'équipe type de Lyon, je pense, qui devrait mettre en 2018-2019. Alors, en départ, comme vous le voyez, je pense qu'il y aura Nabil Fekir qui va partir. Il y a Liverpool qui est en train d'officialiser pour une offre apparemment de 70 à 80 millions d'euros. Bon, Nabil Fekir, c'est quand même le capitaine de Lyon. Lyon, c'est très compliqué qu'il joue sans lui. Mais bon, on verra après. Le deuxième joueur est. Bon, il vous le reconnaîtrait pas car il a pas joué, je crois, cette saison. Il s'appelle Mapouyong Mbiwa. Un club sans. Et comme il joue pas, il voudrait bien jouer avec au lieu d'être toujours dans les réservistes. Il y a un club chinois qui le veut, il s'appelle Jiangsu Suning. Si vous connaissez ce club, désolé pour la compréhension. Mais, je sais pas. Ouais, ça pas doit valoir plus que 5 millions d'euros, ça. Alors pour le troisième départ, je pensais à Mathieu Gorgelin. Même s'il est quand même le remplaçant d'Anthony Lopez, qui va ensuite pas jouer. Pendant les deux autres matchs, les deux prochains matchs de Ligue 1, je pense que Mathieu Gorgelin voudra partir parce que il a fait que 12 matchs en tant que professionnel alors qu'il a 27 ans seulement. Qu'il a 27 ans, que 12 matchs, c'est quand même rien du tout, on peut le dire. Il s'entraîne surtout avec l'équipe réserviste et Anthony Lopez. Mais bon. Ce serait bien qu'il reste aussi parce que il fait quand même des bons matchs, même contre Nice, contre Strasbourg. Il a fait quand même des bons matchs. Bon, contre Strasbourg, c'est surtout les erreurs de Diakabi que j'espère qu'il va partir. Mais bon. Alors je pense qu'avec les départs, c'est bon. Ça. Bien sûr, il y a d'autres joueurs qui pourront partir. Comme aussi Cornet qui est. Apparemment dans le viseur du Borussia Dortmund. Il fait une bonne saison, mais il est souvent critiqué. Memphis Depay, il y a l'Inter Milan qui le veut, mais je pense pas qu'il va partir. Comme Maxwell Cornet, je pense pas qu'il va partir au Borussia pour n'avoir aucun temps de jeu. Alors je pense que c'est à peu près tout. Maintenant, je vais vous dire les arrivées que je pense que ce sera bien. Alors, au poste d'arrivée, j'ai pensé à Hatem Ben Arfa. Nombreux sont les journaux de sport qui disent qu'Hatem Ben Arfa va peut-être retourner à son club formateur. Comme vous voyez sur la photo, c'est l'Olympique Lyonnais. Oui, vous serez allé à l'Olympique de Marseille, mais j'espère surtout qu'il va venir à Lyon pour remplacer un Nabil Fekir et titulaire, alors qu'il est de Marseille. Il y aura Dimitri Payet, il y aura Ferran Tovin, ça sert à rien d'être remplaçant, quoi. Je pense qu'il fera un bon taf. Avec. Voilà, je pense qu'il fera un bon taf, le petit Hassem Aouar. Hatem Ben Arfa, excusez-moi. Lyon, en cas d'absence de Nabil Fekir, en plus d'Hatem Ben Arfa que je vous ai présenté, pourrait essayer de. Entre guillemets, choper Anthony Martial, comme vous voyez. C'est eux qui l'avons formé. C'est Lyon qui l'avons formé avant d'aller à Monaco, puis d'aller trop tôt à Manchester United. De bien démarrer une saison et après de terminer remplaçant. Une offre de Manchester United est à valoir à 50 millions d'euros. Franchement, pour 50 millions, Anthony Martial, ça passe. En plus, Lyon va vendre Nabil Fekir, en gros, franchement. Je pense que là, il n'y a pas de doute à se faire. Si Lyon le veut, ben Lyon l'aura.
Sinon, il y avait déjà Lyon avait déjà acheté pour cette saison-là, mais en mercato hivernal pour la fin de saison, pour acheter pour la saison prochaine en gros début 18-19, le capitaine Léo Dubois. Voilà, le capitaine Léo Dubois qui a fait une très bonne saison avec le FC Nantes, mais je pense que Raphaël ou Kenny Tété aura des voudront partir. Je voulais pas les mettre dans ces vidéos, mais voilà. Autrement, comme des personnes déjà qui devaient venir en étant en prêt de Lille à Strasbourg. En gros, comme vous voyez, il joue actuellement avec Strasbourg. Mais bon, c'est fini la saison. Lyon a eu Martin Terrier et peut l'avoir en milieu gauche, ailier gauche, à la place de Memphis Depay pour le remplacer. Ou quand on sera Memphis sera en pointe, peut-être à la place de Mariano. Il va peut-être aller à gauche, Traoré à droite. Voilà quoi, je vais faire une petite composition après. De toute façon, voilà, quoi. Et enfin, je pense pour ma dernière arrivée, je pense un peu à Jonathan Tah. Il fait une bonne saison du côté du Bayer Leverkusen. C'est un défenseur central, ce que Lyon a vraiment besoin. Ont besoin d'un remplaçant parce que autrement c'est Mouktar Diakabi qu'on a très bien vu contre Strasbourg, 3 erreurs 3 buts, merci Mouktar. Voilà, Jonathan Tah qui va un peu apporter du calme avec Marcello, et après au cas où il y aura Morel derrière, il n'y aura pas Mouktar Diakabi. Voilà, je vais vous faire mon équipe type, ce sera al dente. En gros, les gens, j'ai pensé à cette composition. Alors, en défense, au gardien Anthony Lopez. En défenseur droit, Léo Dubois. Ensuite, au milieu, Marcello et Jonathan Tah. En défenseur gauche, Ferland Mendy, qui a fait une super saison, qui aurait pu aller dans l'équipe de France. J'ai mis au milieu Lucas Touzard et Oussem Aouar. J'hésitais entre Tanguy Ndombele ou Aouar ou Touzard et Ndombele, non, j'ai laissé comme ça. Voilà. Et en milieu offensif, ce qui va sûrement vous surprendre, comme j'ai dit, il va peut-être venir, c'est Hatem Ben Arfa. Voilà, j'ai décidé de mettre Hatem Ben Arfa parce qu'il fait quand même il faisait quand même des très très bons tafs, et quand on l'a vu 45 minutes avec les seniors, il faisait du bon taf. Bon, voilà, en ailier droit, j'ai décidé de mettre Bertrand Traoré. En ailier gauche, j'ai décidé de mettre Anthony Martial. Et en buteur, celui-là que personne ne celui que le gardien se prend chaque fois au moins un but. Même fils de paille. Voilà, j'ai décidé de mettre en 4-3-3 offensive, de mettre Ben Arfa en offensif et pas en 4-2-3 comme Lyon l'avait fait avant. Voilà, j'ai décidé de mettre comme ça, ou en 4-2-4 losange bizarre là. Mais bon, voilà. On se retrouve. Je vais vous laisser ça. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous dis tchuss.